Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Delta Sport. Aujourd'hui encore un très gros programme comme toutes les semaines. Avec moi en face Morgan. Salut Nico. Ça va? Ça prépare ta petite interview en là. En pleine forme. Super. À côté Mathéo, ça va? Ça va et toi Nico? Bah toujours là, toujours ça va. Par Florent, le Lensois. Ça va super. Parfait. Et Léa. Et oui. Et Tanis, à savoir qu'il n'est pas là parce que bah, cas contact, on connaît. J'espère Tanis. On espère qu'il va vite se remettre et qu'il va vite revenir. Et, nous et Léa, surtout. Tu vas nous présenter les rubriques du jour. Alors, bah, si mon ordi s'éteint pas, oui. alors, on va commencer par une interview et pas des moindres, celle de Patrick Montel, hein, que Morgan va donc se charger de faire. Ensuite, on passera au foot avec la Ligue 1, le Tour d'Europe, la Ligue des Champions, le fil actu de Mathéo. Ensuite, on fera un peu de rugby, du hand, on finira par le quiz et un débat. Merci beaucoup. Et on passe tout de suite à l'interview de Morgan. Oui, et maintenant, nous accueillons donc parmi nous une figure emblématique du journalisme français, du journalisme sportif plus particulièrement et plus globalement du sport français. Jingle. Anciennement professeur d'économie au lycée Léon Blum de Créteil qu'il quitte en 1983 pour rejoindre le monde du sport et plus particulièrement celui de l'athlétisme où il commentera notamment les plus grands événements internationaux. Commentateur également de tennis et de football, une voix qui nous aura transportés dans l'émotion et parfois dans la frustration mais qui ne nous a jamais laissé indifférents avec nous, Patrick Montel. Bonjour Patrick. Salut, salut à tous. Bonjour, vous allez bien? Mieux ce serait insupportable. Hein. oui, parce qu'on avait, compris en off hein, que vous étiez en vacances actuellement. Voilà, c'est un grand plaisir et un honneur, hein, faut le dire, que nous vous accueillons aujourd'hui. Tout d'abord, vous qui êtes maintenant à la retraite depuis novembre 2020, avec le recul, hein, j'imagine. Non. Oui. Non, parce que ça, c'est un mot qui ne fait pas partie de mon vocabulaire. Donc, je ne serai jamais à la retraite. Voilà, donc je vous laisse continuer. Mais le mot retraite, à chaque fois, ça me rend fou furieux. Donc, je ne serai jamais à la retraite. On évitera alors d'utiliser ce terme. Pas de souci pour la suite. Avec le recul, comment pourriez-vous définir globalement, alors en quelques mots, votre carrière continuelle, du coup, de journaliste sportif? Non, le truc c'est le privilège absolu de pouvoir vivre de sa passion. Je pense que c'est pas le problème du journalisme sportif, c'est le problème juste de quelqu'un qui a eu une chance inouïe, c'est de pouvoir vivre complètement de sa passion et d'avoir jamais eu véritablement l'impression de travailler. Et je souhaite à tous vos auditeurs la même chose, quelle que soit la passion. Réussir à en vivre, réussir à traverser la vie uniquement avec des choses qui vous bouleversent et qui vous portent, c'est évidemment ce que je peux souhaiter à tout le monde. La passion avant tout. Nous connaissons tous, alors sur ce plateau, ou presque du moins, vos commentaires parfois extravagants dans le monde de l'athlétisme, notamment avec des best-of Patrick Montel qu'on peut retrouver parfois sur YouTube. Quel en est votre plus grand souvenir en tant que commentateur sportif? Mon plus grand souvenir en tant que commentateur sportif, c'est la course que je vais commenter demain. Ah. Donc, en fait, je veux pas trop m'attarder sur le passé, parce que le passé, c'est toujours des choses qui, malheureusement, nous renvoient à une époque révolue, donc qu'on ne revivra plus. Donc, moi, je préfère me télétransporter vers l'avenir et imaginer que demain, quand je vais me lever, eh ben, il y a une course formidable qui va être organisée, même en période de Covid, et que je vais commencer à hurler comme un malade, et que je vais commencer à décoller et me retrouver dans ma bulle, dans ma sphère, dans laquelle je me retrouve moi totalement. Donc c'est vraiment ça que je cherche, c'est vraiment ça que je cherche. Et tant qu'il me restera un souffle de vie, ce sera d'aller chercher cette course extraordinaire que je n'ai encore jamais vécue, mais que je sais que je vivrai un jour.
Donc j'imagine donc que vous suivez toujours le monde de l'athlétisme actuellement et plus particulièrement. Je suis tout le monde, là, je suis dans un parking. Actuellement, à un moment où je vous parle, je suis dans un parking alors que une R5 est en train de déboucher. Non mais sérieux, je veux dire, donc moi c'est ça ma vie. Ma vie elle est là. Et je peux commenter n'importe quoi, une course d'escargot, je veux dire une boîte d'allumettes, n'importe quoi. Mmh. Mais le truc c'est de prendre son pied en faisant ça, quoi. Alors il y a des mecs qui collectionnent des timbres, moi je collectionne des émotions. On le ressent en tout cas à travers en tout cas sur le plateau. Vous avez notamment commenté du tennis également, du football. Je me souviens particulièrement d'ailleurs d'un match de Coupe de France au OM Lyon où vous étiez déchaîné comme le Stade Vélodrome. Auriez-vous imaginé vous spécialiser dans d'autres sports que l'athlétisme, parce que vous avez fait particulièrement de l'athlétisme, c'est vrai, mais vous spécialisez vraiment dans un autre sport? Ouais, moi je me serais spécialisé dans le sport où il y avait de la place pour moi. Je veux dire, l'athlétisme, je connaissais pas. D'ailleurs, les gens aujourd'hui s'aperçoivent que je connaissais pas. Donc ils disent, ouais, mon tel, il raconte que des conneries. Ils ont pas tort, les mecs. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'émotion. Donc l'émotion, elle est partout. Elle est sur votre plateau. Elle est. Alors le sport, évidemment, il y a particulièrement de l'émotion dans le sport. Mais dans tous les sports, moi j'ai pris un pied fou à commenter aux Jeux Olympiques la carabine 10 mètres. Où les mecs, ils bougent même pas d'un millimètre, mais ça fait rien, parce qu'on sent que dans leur attitude, dans leur concentration, on sent qu'ils mettent leur vie, les mecs. Et rien que ça vous booste et ça vous donne une pêche absolument incroyable. Mmh. D'accord. Bon, mais dernière question, Patrick Montel. Merci beaucoup de nous avoir rejoints concernant votre départ de France Télévisions, et notamment vos propos sur le dopage avant votre mise à l'écart, donc en 2019. Vous aviez avoué le lendemain que vous étiez mal exprimé, notamment sur le coup de l'émotion. Avez-vous des regrets concernant cette sortie médiatique? Il ne faut jamais avoir de regrets, parce que ça ne sert à rien. Les choses sont faites comme ça. Le seul truc que je dis et que je répète aujourd'hui, c'est qu'avant de critiquer les gens, avant d'être violent avec eux et de les vouer aux gémonies, il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Moi, j'ai fait une vidéo de 17 minutes. On a retenu de cette vidéo que 10 secondes. Et encore, on a mal retranscrit la phrase que j'avais dite. Et une fois pour toutes, je n'ai pas dit que tous les athlètes sont dopés. J'ai dit que le dopage, je le redis aujourd'hui, le dopage est consubstantiel du sport de haut niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a effectivement un intérêt pour certaines personnes qui gravitent autour des athlètes à ce que ces athlètes se chargent. Voilà ce que j'ai dit, mais j'ai jamais dit que tous les athlètes se chargeaient. Et le problème aujourd'hui sur un réseau social, c'est que vous dites un truc, on va retenir de ce que vous avez dit 5 secondes ou 10 secondes, et les gens qui n'ont rien écouté vont vous couper la tête, vous condamner à mort. Alors je trouve ça dommage, mais quelque part c'est la vie, c'est comme ça. Et moi je vais vous dire un truc, quand il vous arrive quelque chose comme ça dans la vie, il faut toujours penser que finalement, si ça vous arrive, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de mieux qui se prépare. Et moi c'est toujours ce que je pense. Et j'ai toujours cet adage que je vous propose aujourd'hui et que j'aimerais partager avec vous. Vivre qui m'abandonne, il me rend à moi-même. Voilà, ça c'est ma devise. Sur ces belles paroles, nous allons terminer notre interview. Merci énormément Patrick Montel de nous avoir accordé du temps sur Delta FM. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite, bien évidemment. Oui, moi aussi, je te souhaite le meilleur pour la suite, alors que t'es parti comme une bombe et que... Voilà, tu vois. Bisous à tous, salut. Merci beaucoup Patrick Montel. Merci. Bon, une interview très très enrichissante. Ah oui, très très, et puis en forme. Incroyable. En forme. Il est génial. Mais en fait, il est même pas proche de la retraite en fait. Il a dit qu'il fallait pas lui parler de retraite. Il a raison. C'est vrai. Il a raison en soi. Non, mais une très très belle interview qu'on gardera dans nos têtes. Bien sûr. Bien sûr. On va tout de suite passer à la rubrique football. Avec le week-end Ligue 1, la 29e journée qui a eu lieu ce week-end, et Léa qui va nous présenter les résultats. Et oui, c'était la 29e journée, donc on commence avec le nul. Heureusement que je le répète, mais c'était pour être sûr qu'ils entendent bien. Hein. Le nul de Lyon avec Reims, ensuite Saint-Etienne qui gagne Angers, Marseille qui gagne Brest, Nîmes qui fait ex-aequo avec Montpellier, 1-1. Lorient-Nice, match nul. Lens-Metz, match nul. Bordeaux qui gagne Dijon 3-1.
Rennes qui gagne Strasbourg 1-0, Monaco et Lille match nul, et Paris qui perd contre Nantes. C'était donc la semaine des matchs nuls. Merci beaucoup, Eléa. C'était un petit jeu de mots parce que c'était nul, Paris. Hein. Subtil. Je n'ai même pas subtil. je me sentais obligée de le souligner pour... La subtilité d'Eléa. On va vite revenir sur le match Monaco-Lille. 0-0. Est-ce que vous avez un avis sur... sur ce match? Il porte bien son score, ce match. Je suis d'accord. Hein, match nul et vierge. Mmh. À tous les sens du terme. Eh oui. Mais par contre, quand même de la qualité technique au début du match, avec, avec notamment Renato Sanchez au milieu de terrain, qui a quand même brassé pas mal de Monégasque, mais toujours bien dans la finition, gros problème de part et d'autre. Alors, il faut faire attention parce que Lille joue quand même le haut de tableau, même voire la place de leader. Mais Monaco, Monaco aussi, mais bon, la Ligue des Champions. Kovac, l'entraîneur de Monégasque, l'a quand même avoué, eux, ils se fiaient pas forcément au rôle de prétendant au titre. Donc, ça reste quand même, pour moi... 2 points de perdu pour les Lillois plus que pour les Monégasques. Après Monaco, comme on a pu le voir, c'est quand même le meilleur bilan de la Ligue 1 depuis le début de l'année 2021. Mmh. Ils enchaînent. Donc, ils avaient fait combien de matchs non perdus là? Je crois qu'ils avaient une série de 17. Non, attends. Qui ça? Monaco? Ouais. Et non, ils ont perdu contre. Attends. Ils ont pas duré ça. Saint-Étienne, non? Non, pas Saint-Étienne, non, c'est un petit club. Une équipe, Lorient, je sais plus. Ouais. Attends. Ah ben alors là. Ah non, si Monaco n'a perdu qu'un seul de ses 14 derniers matchs. Oui. Bon, ça reste quand même le meilleur bilan de Ligue 1 actuellement. Marseille-Brest. Oh là là, Morgane, même si Tanis n'est pas là, Morgane va pouvoir nous dire. Le réveil du volcan. Semaine réussie pour Marseille, avec notamment aussi la victoire face à Rennes. Face à Rennes, oui, en match de rattrapage de la, je sais plus quelle journée. Est-ce que l'arrivée de Sampaoli fait du bien au groupe marseillais, Morgane? Ben, si je disais non, ça serait un mensonge. Mais si je disais oui, ça serait un peu c'est monté. Trop rapide. Oui, ça serait trop rapidement dit. Après, on a vu que au-delà de l'arrivée de Sampaoli, c'était la reformation d'un groupe. Il y a aussi collectif. D'un collectif. On a retrouvé du jeu. Alors bien sûr, dans un autre système, hein, on a vu que Sampaoli privilégiait le 3-5-2 face au 4-3-3 anciennement utilisé par André Villas-Boas et Nasser Larguet. Plus offensif, avec notamment de la fluidité au niveau du jeu, toujours quelques erreurs techniques qu'on relève, toujours des problèmes d'un point de vue défensif, mais du mieux dans le jeu marseillais. Et surtout, la révélation, ou du moins le retour de certains joueurs de l'Olympique de Marseille, qui étaient un peu enterrés et un peu sur le banc de touche jusqu'à maintenant, quand on est au banc de touche, c'est Michael Cuisance, notamment, avec ses deux buts. Arrivé du Bayern cet été. Oui, ses deux buts, et qui avait beaucoup de mal jusqu'à présent de trouver une place au sein même de l'effectif. Et, bien sûr, l'appeler pépite, c'est quand même grandiose, c'est surtout les médias qui en ont fait tout un cinéma, mais Luis Enrique, voilà, qui nous sort 3 passes D en 2 matchs, et moi je trouve ça magnifique. Donc du mieux, mais à voir par la suite, faut que ça se confirme. J'ai peur qu'on fasse encore quelque chose de sinusoïdal, c'est-à-dire du mieux, mais que ça reparte à la baisse plus tard, et qu'on... Donc on va attendre, on va voir. Après, les Marseillais à la fin de la saison. À la fin de la saison, alors moi je vais pas. Je vais en Ligue Europa, moi. Je vais pas, ouais, je pense aussi. Je vois pas comme Niko Kovac, lui qui dit ouais, ils vont revenir sur la 4e place, c'est sûr, ils sont pas morts. Non, je suis pas du tout dans cet esprit-là. Je pense que voilà, déjà, s'ils maintiennent la 5e place avec au bout une qualification pour l'Europa League d'office, ça sera très bien. C'est vrai. Bon, ben on verra, savoir qu'ils ont autant de points que Lens, notamment. Et 45 points. Ouais. C'est donc pas arrivé depuis des années, ça. Et Lens d'ailleurs qui sort d'un très beau match face à Angers avec un but de Cahuzac qui aurait pu mériter beaucoup mieux et qui aurait dû d'ailleurs parce qu'ils ont les moyens. J'ai regardé le match, c'était un très beau match, donc on verra ce que ça donne niveau Ligue 1, et on passe tout de suite au Tour d'Europe. Ah, je parle beaucoup moi aujourd'hui. Alors nous commençons par la première ligue. Pour la 28e journée, City a confirmé à Fulham 3-0 son statut de leader et se rapproche du titre, tandis que Manchester United s'accroche après sa victoire face à West Ham 1-0. Quant à Liverpool, les Reds retrouvent le chemin de la victoire en championnat 1-0
sur la pelouse des Wolves avec un but de Diego Rota. A noter aussi la victoire d'Arsenal, 2-1 face à Tottenham et un special one de plus en plus menacé. En Liga, l'Atlético, qui est donc leader, n'a pas réussi à décrocher la victoire sur la pelouse de Retafe, un bon vieux 0-0 des familles. Le Real s'est quant à lui imposé 2-1 face à Elche, avec un doublé de l'indéboulonnable Karim Benzema. Et là, on va se poser la question notamment de son retour en équipe de France, encore une fois, avec notamment un but somptueux à la 93e minute. Le Real se repositionne à 6 longueurs du leader. Messi a quant à lui répondu à Benzema avec un doublé, lui aussi, contre la Lanterne Rouge, Huesca, victoire 4-1 du Barça avec un but de Grisou. En Allemagne, le Bayern continue son petit bonhomme de chemin sur la pelouse de Werder, 3-1 et reste leader de Bundesliga. Dortmund a retrouvé la victoire face au Hertha Berlin, 2-0, tandis que la mauvaise opération du week-end revient à Leipzig qui n'a pas su s'imposer sur la pelouse face à Francfort, 1-1. A noter également que Wolfsburg se fait une place chaude sur le podium à la 3e place et a atomisé la Lanterne Rouge. Et décidément, Schalke 04, 5-0. En Italie, l'Inter garde sa place de leader en s'imposant au Torino 2-1 grâce notamment à Lukaku encore. Derrière, l'AC Milan perd sur sa pelouse face au Napoli 1-0 et perd du terrain en gardant toujours la seconde place. Défaite également de l'AS Roma face à l'avant-dernier du championnat, Parme 2-0. A noter le petit triplé des familles de Cristiano Ronaldo face à Cagliari avec la Juventus 3-1. Meilleur buteur avec 23 buts, et en 23 matchs, la Juve qui se place 3e. Avec un Ronaldo, oui, comme tu l'as dit, qui répond aux critiques parce qu'on a vu. Ça fait une semaine qu'on le voit fini. C'est Ronaldo. Hein, c'est ça. Bah, oui. Et je pense que même à 37 ans. Et d'ailleurs, aussi, à noter le retour de Zlatan Ibrahimovic ouais, en sélection. Dire, oui, suédoise. J'allais dire, mais oui, c'est tout comme Zlatan, Ronaldo, je pense qu'il va encore durer. C'est une branche, c'est un roseau. Il vieillit, mais il ne se casse pas. Toi, tu l'aimes bien, Ronaldo. Je l'aime. Ouais. Alors oui, franchement, sur son travail et tout, mais, oui. Mais franchement, moi, je pense qu'il va durer longtemps encore. Sauf cas de blessure, mais il fait tout pour... Je sais plus, il y avait eu des tests qui ont été faits sur son physique. Et il a le physique de... De Superman, oui. Ouais, pas loin. Non, mais d'un corps de à peu près une trentaine d'années, quoi. Mais ça il vraiment. A 37 ah ouais, mais il s'en malade. Après, il s'entretient, attends, oui, non, mais oui. Je sais pas si vous avez déjà vu son hygiène de vie, que ce soit par la récup, ses phases de récupération, etc. Pendant qu'il y en a d'autres, là, ils font le sbeul, manger des côtes de porc avec de l'or dessus. Et lui, il va te faire. Il a sa propre piscine pour la récup où il pédale. Enfin, il a un matos exceptionnel. Il a tout ce qu'il faut pour. Ouais. Ouais. C'est quand même fou, ça va jusqu'au lit adapté. Mais oui, en position du fœtus pour mieux dormir, parce que c'est la position naturelle et tout. Enfin, bref. Parfait, et ben on va passer à la rubrique Ligue des Champions où il n'y a plus Cristiano Ronaldo. Voilà. Et Messi. Le renouveau. Les huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions qui se sont donc terminés hier soir avec Eléa toujours qui va nous faire nous présenter les résultats. Les résultats des quatre derniers matchs, oui. Exactement. Alors, le Real qui bat l'Atlanta 3-1, Manchester City qui gagne Mönchengladbach. Voilà. Ça, c'est une bonne prononciation. 2-0. Le Bayern qui se qualifie sans surprise contre Lazio. Et Chelsea, Atlético de Madrid. Et c'est Chelsea qui passe contre l'Atlético. Attends, petite question, c'est Mönchengladbach. Mönchengladbach. Ouais, c'est beau comme prononciation, hein, c'est très beau. Retour rapide sur le match Chelsea-Atlético qui a eu lieu hier soir, oui. Qui s'est soldé par une victoire des Blues, 2-0. Des Avec un but notamment de Hakim Ziyech et de Emerson. Un petit avis sur ce match et surtout, est-ce que Thomas Tuchel est le sauveur des Blues, parce qu'on sait que depuis qu'il est arrivé, c'est 9 victoires pour 4 matchs nuls. Messieurs, non ? Après, on disait la même chose quand il est arrivé au PSG. J'ai envie de dire que c'est pareil pour le coach de Marseille, hein, c'est un début. Bon, après, c'est un début qui... C'est pas la même équipe. On n'est pas sur une même équipe. Mais je veux dire, ça reste qu'un début. Bon, c'est déjà 9 matchs, 9 victoires, c'est ça ? 9 victoires. 13 matchs. 13 matchs, 9 victoires. 9 victoires, 4 matchs nuls. Bon, ça reste quand même de sacrés résultats, mais on ne peut pas encore déterminer si c'est le grand sauveur.
Après, vu l'ambiance qu'il y avait, honnêtement, ça aurait été n'importe qui, je pense. Ça aurait fonctionné aussi. Mmh. Oui, parce qu'au-delà de ça, il a relancé quand même une sacrée dynamique à Chelsea. Et puis, notamment Hakim Ziyech, qui était en perdition totale depuis son arrivée de l'Ajax. Il a quand même réussi à partir même. Oui, il a réussi à le relancer. Hier, quand on regarde la physionomie du match, on se dit, même avant le match, on se dit, l'Atlético, c'est pas fini. Ils peuvent s'imposer à Londres. Et plus le temps passait, et je me disais, mais cette équipe de Chelsea, en fait, elle est très difficile à battre, elle est indestructible. Et j'ai trouvé également très, très, très bon le gardien de Chelsea. Edouard Mendy. J'ai trouvé excellent hier. D'ailleurs, il en sauve 2-3, heureusement qu'il est là. Oui. Après, non, cette équipe de Chelsea, moi, elle me plaît beaucoup. Elle joue bien au ballon, c'est au milieu. Et puis alors, au milieu de terrain, moi, je suis désolé, mais quand est-ce qu'on va reconnaître, enfin, ou du moins, même, ne serait-ce que des talents, mais moi le talent pour moi il s'écrit pas, il s'explique, et là il est même limite inexplicable pour le coup, tu vois, j'arrive pas à l'expliquer, mais N'Golo Kanté, enfin je veux dire, il est partout, N'Golo Kanté qui a connu un petit passage à vide fin de l'année dernière, puis en début d'année, maintenant qui retrouve mais une espèce de... Puis on peut voir qu'il a une belle complicité avec le coach quand même. Ah oui, non mais c'est impressionnant. Ouais, en même temps, qui peut se permettre de détester N'Golo Kanté? Il est à l'aise. Oui, mais non, mais oui, parce qu'on est français, on est chauvin, il est champion du monde. Non, mais en Angleterre, tu le perçois comme ça. Tu le perçois de manière à dire, mais ce gars-là, mais il est partout. Mais N'Golo Kanté, quoi. Mais oui, non, mais vraiment, sur un terrain, tu peux le retrouver. Enfin, c'est dingue, sur chaque action, il est présent. C'est vraiment le cœur du jeu. Il a toujours le sourire. Oui, alors, et c'est super important. Non, en vrai, sérieusement. Au niveau d'une relation dans une équipe, un mec comme ça, c'est super. Ouais, je pense. C'est pas le genre de mec chiant à vraiment créer des embrouilles. Ouais, créer des embrouilles pour un oui pour un non. C'est le mec qui est sans histoire, qui fait son taf sur le terrain, qui est partout. On peut que le féliciter. Enfin, on n'a rien d'autre. Mais il part de rien. Il part de rien. Il est arrivé où il en est aujourd'hui. Il mérite limite plus. Tu vois que. Alors, c'est pas pour dénigrer l'équipe de Chelsea. Mais il mérite de gagner au moins la Ligue des Champions et de tout gagner. Voilà. Bah d'ailleurs, qui voyez-vous gagner la Coupe aux Grandes Oreilles cette année? Petit pari. Ça va être compliqué. Alors, subjectivement. Alors, attends. Subjectivement, pour ma part, je vois une surprise. Je vois une surprise, que ça soit du côté de Dortmund. Ou justement, peut-être Chelsea, pourquoi pas. Objectivement, j'ai envie de dire, ça va jouer entre le PSG et Manchester City. Le Bayern, pour moi, n'a pas les armes cette année, pas comme il les avait l'année dernière. Il se trouve à certains matchs, ils peuvent faire des erreurs qui sont parfois... On n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein. Ouais. Mais moi, je vois soit une surprise du style Dortmund, allez, pourquoi pas Porto, pourquoi pas d'ailleurs, parce qu'ils ont une assise défensive très, très impressionnante quand même. Et ils éliminent la Juve, c'est pas n'importe qui. Oui. Et puis, Paris ou City. Mathéo, toi, tu vois qui? Moi, pareil, City plutôt. Que Paris. City, Flo. Honnêtement, c'est un peu les leaders, c'est les noms évidents qu'on a envie de sortir, donc de toute façon pareil, hein, j'ai pas d'autre opinion là-dessus. Et Léa, je vais pas te poser la question. Hein, moi, j'espère, je prie tous les sens. D'ailleurs, je pronostique un petit tirage PSG-Chelsea pour le cas. Ça serait beau. Ah ouais, franchement, Paris-Real, moi, je pense. Paris-Real, à mon avis, vont nous mettre. Un petit PSG. De toute façon, c'est le hasard. Oui, c'est le hasard. Moi, je vois Paris-Real. Le hasard. Petit Paris-Real. MDR, ça en fera un débat. Elle est en forme. Les jeux de mots aujourd'hui. On refera sur les tirages au sort. On va en faire un débat sur ça. On pourra en reparler. Ouais, et bah c'est sur ces belles paroles qu'on va clore la rubrique Ligue des Champions et passer au Filactu de Mathéo. Delta Sport, le Filactu. Alors aujourd'hui, nous allons commencer sur les terrains de tennis où Jérémy Chardy se qualifie en quart après avoir éliminé Alex de Minaur et éliminé Karen Khachanov et qui va retrouver Shapovalov, pardon. Ensuite, nous allons au niveau basket où Dallas repousse les Clippers après un grand Luka Doncic avec 42 points marqués. Et Sébastien Loeb devra trouver un autre copilote pour la fin de sa carrière car Daniel Elena a pris sa décision de ne plus être le copilote de Sébastien Loeb. Oui, c'est bon.
Parfait, merci beaucoup Mathéo. Et oui, grosse bombe dans le sport, Sébastien Loeb. Quelle est cette décision de Fourbe d'abandonner Sébastien Loeb? Ça m'a brisé le cœur, honnêtement. J'ai revu l'attraction au Futuroscope et vraiment ça m'a... Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Ça va, on n'est pas trop loin. C'est la vie de tout sportif. On passe au rugby ? Allez. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. Alors, à vous deux, là, Morgane. Je suis déçu. En plus, vous êtes ensemble pour le quiz. Ça envoie aujourd'hui, hein, vous avez la forme. Je suis, mais de toute façon... Qui... Oui, mais comme d'habitude, tu nous connais. Hein. Le tournoi des 6 nations, semaine 4. Avec notamment une victoire du Pays de Galles 48-7. Je ne sais pas si vous avez vu le match contre l'Italie avec des Italiens très inquiétants. La victoire irlandaise contre l'Écosse 27-24. Et enfin, la défaite française sur laquelle on va revenir. Waouh, quelle surprise! 23-20 pour le Crunch, alors qu'ils avaient les armes pour gagner, avec notamment un essai dès la première minute. Ouais, alors. Des décisions arbitrales très litigieuses. Foireuses, oui, ouais. Je suis d'accord. Et alors, c'est comme, pas pour comme, comme notamment, foireux, on en avait déjà parlé pour la finale du tournoi d'automne. Oui. Entre toujours au même endroit, les deux mêmes équipes, les mêmes décisions. Oui, oui. C'est le Momo Time qui quel a gueulé sur les arbitres. Ah bah c'est le Brexit. Hein. Quel est votre avis sur ce match? Pour moi, la France doit gagner parce que l'essai, il est pas. Lequel? Le dernier de l'Angleterre. Ouais, ouais. Il y a la main. Ça se voit clairement et il l'accepte. Mais tu demandes à quel moment les mecs qui sont à la vidéo peuvent louper un truc comme ça. Je veux dire. T'as quand même 3 ou 4 mecs qui sont dessus, tu vois. Il n'y en a pas un des 4 pélos qui va dire « Ah, il y a une main quand même !» Mais non, il n'y en a pas un. Ils sont tous là. Ah bah ouais. Et Benet. On en devient méchant, mais au bout d'un moment, il faut arrêter les bêtises. Ça fait deux fois qu'on nous enfume. Puis je crois que c'est deux fois le même arbitre. Et deux fois le même arbitre en plus de ça. Donc attends, au bout d'un moment, et quand est-ce qu'on va dire quelque chose? Et nous, les Français, on est là. Oh ben mince, on n'a pas de chance. Mais non, et les gars, oh, faut taper dedans. Faut y aller. Et oui, au bout d'un moment. C'est des petites natures, les rugbymen, c'est connu. Mais non, mais franchement, non, enfin, moi je trouve ça. Et tu te rends compte, c'est un match super important. Super important. On joue le grand chelem quand même, parce que là. On gagne, on est toujours sur le grand chelem. Non, j'allais dire quoi qu'il arrive, mais on peut pas porter une sorte de plainte, pas une plainte, mais je sais pas comment dire. Déposer un truc, mais de toute façon. Une déposition, ou après le match c'est le il est fini. Alors hein, certains vont nous dire, c'est le sport. C'est comme ça. Ouais, c'est bah tout. Oui, mais la VAR, les principes de VAR, justement, ça sert à ça. C'est pour enlever. Cet aspect de libre arbitre un petit peu qui dont certains là, sont contre là la main on la voit clairement sous bah le oui mais bah c'est pour ça pas, c'est ça le problème essai. C'est que le fait est-ce qu'on peut parler juste par contre je vous coupe là mais le Pays de Galles qui a quand même marqué 48 oui après non mais ça on parle de la France et nous parle du Pays de Galles mais ça on en parlera après si tu veux savoir la France a passé 50-10 au Pays de Galles enfin non à l'Italie mais ça me choque en fait tout le monde monte sur l'Italie non mais c'est l'Italie quoi. En ce moment, c'est inquiétant. Depuis qu'il n'y a plus Paris, il n'y a plus personne, surtout. C'est inquiétant, surtout qu'apparemment, au niveau des jeunes, c'est encore plus inquiétant. Donc, Oui. Ah. Mais j'ai regardé le match, tu sais qu'ils n'ont pas. J'ai compté, ils n'arrivaient pas à faire 3 passes sans se faire prendre le ballon. Mmh. C'était impressionnant. Ça devait être très long. Oui. Ce week-end, France-Galles, comme une célèbre chanteuse. Oh. J'allais faire la blague. Obligé. J'allais la plaire. Et putain, je peux pas gérer la tablette là parce que là il y a des coups à faire. Non, allez, samedi soir 21h et la semaine prochaine, donc le match rattrapé contre l'Écosse. Est-ce que vous voyez toujours la France gagner? Je pense. Tournoi. Si on les voit jouer comme l'Angleterre, il y a un esprit collectif quand même qui est là. Non. Non quoi? C'est foutu. C'est foutu de quoi? Bah, c'est foutu dans le sens où ce match-là, si on l'avait gagné, voilà, c'était le pompon, ça aurait été voilà. Basta, terminé. Là, je suis sûr que mentalement, on a pris un coup en plus. Mais et on a dit ça, on ouais, avait dit ça la dernière fois contre le match de l'Angleterre. L'Angleterre est toujours en course pour le Grand Chelem. Non, ils ont perdu un match. Ils ont perdu contre l'Angleterre, ils sont derrière. L'Angleterre la a perdu contre le Pays de Galles 40-24. Autant pour moi. Les Gallois, ils nous montent dessus là. Non, alors les Gallois, honnêtement, ils sont. Oui, ils nous montent dessus, d'accord, mais si on les gagne. Pas trop quand même. Quoi? Non, vas-y. Non mais on y croit.
Bon, bah, on attend de voir ce week-end et on passe à la rubrique handball très rapidement. Le retour sur les matchs de l'équipe de France dans le tournoi de qualification pour les JO. Donc trois matchs en trois jours, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Avec deux victoires contre la Tunisie et la Croatie. Et une défaite 29-28 contre le Portugal, qui d'ailleurs va aussi aux JO avec cette victoire. Oui. Votre avis sur les trois matchs ? Je me tourne vers Mathéo parce que tu es notre spécialiste. Ton avis sur les trois matchs ? Bah, la France a bien joué, à part son premier match. Je vais revenir sur le premier match de la France. Contre la Tunisie. Ouais, c'est ça. Honnêtement, c'était très serré. Je pensais qu'on allait perdre. Mais après, à chaque fois, ils ont un peu de mal à se lancer. Hein. Ouais, mais là, franchement, quand tu les vois jouer, tu te dis, on va perdre. Enfin, tu te dis, tu peux pas te permettre à faire un début de match comme ça au JO. Tu fais un début de match comme ça au JO, t'es sûr que derrière, tu vas prendre 3 buts de retard et derrière, ça va être compliqué à revenir. Donc, je pense que derrière, il va falloir travailler collectivement et vraiment faire des bons débuts de match. Ouais. Après, vu que je serai dans les tribunes au JO, ils vont sûrement mieux jouer. Oui, non, c'est sûr. Vous les voyez aller où, les Français au JO, honnêtement ? Troisième place. Morgane, tu nous fais un beau zéro. Qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je pense que l'équipe de France actuelle n'est pas prête, que ça soit d'ordre physique ou mental, et qu'on va se prendre une bulle. Et pourquoi, d'après toi, ils sont pas prêts ? Parce qu'il y a encore comme je l'avais dit c'est déjà dans une autre émission, il y a encore l'esprit des experts qui plane au-dessus et il y a un doute dans la réitération des performances. Et je pense que tant qu'on n'aura pas tourné réellement la page, que ce soit à nous d'un point de vue des supporters ou que ce soit même dans la tête de l'équipe, je pense qu'on va se planter. Alors, je tiens juste à dire, Nicolas Karabatic espère être là pour les JO. Oui, c'est pas mal, mais pour moi, c'est une belle bêtise. Il faut tourner la page. Là, c'est oui, ok, il va être là pour les JO, mais ça va nous faire du Zidane en 2002, tu vois. Je veux dire, c'est pour moi, c'est ça. Il faut tourner la page. Il faut qu'il y ait une cassure. D'accord. Mathéo, toi, tu les vois les où ? Au JO ? Oh, je les vois dans le dernier carré, je pense. Quand même ? Ouais, quand même. D'accord. Et on va attendre de voir et on espère des bons résultats quand même pour l'équipe de France. Oui. Et on passe tout de suite au quiz. Le quiz. Bon, Florent, on les éclate ? Prends pas trop la conf à chaque fois. Il fait la même, Morgane, on dirait rien. Morgane et Eléa contre Mathéo et Florent. Je laisse déjà le résultat. Mais ce j'aimerais bien qu'ils perdent. Oui, mais c'est l'objectif, c'est le principe. Mais sauf que Mathéo, il fait toujours le show. Morgane, il le regarde en souriant. Il a même plus besoin de dire. Je suis sûr que Tanis, là, derrière sa radio, il se tape. On fait toujours le système du lever de main. Vraiment. Je vais le fumer. D'ailleurs, on embrasse Tanis. Oui. On fait toujours le système du lever de main. Et pour la question où je demande un chiffre, ça sera toujours une réponse par équipe. Donc on a le droit de se concerter. Oui, oui. Ok, d'accord. Première question. Sport scolaire. Ouf. Quel homme a milité pour l'introduction du sport à l'école ? Je sais pas. Morgane. Il attend trop. Jack Lang ? Non, à savoir qu'il donne son nom à de nombreux gymnases. Il est historien. Jean Latu ? Non. Quand je vais vous le dire, vous le savez. Non, vous l'avez pas ? Attends, un gymnase cherche des noms de gymnase. Il est historien, tu dis ? Historien, je devrais le savoir, ça. Une halle. Berne ? Non, non, non. Il est historien ? Historien. Non, il est explorateur, tu dis qu'il est historien. Et voilà, 0-0. Rien du tout, c'était Pierre de Coubertin. Vous me décevez. Si les profs de master alors, t'aurais été derrière. Je ne participe pas. Non, mais je l'avais pas du tout. Bien sûr que oui. Mais les gars, Pierre de Coubertin, je l'avais pas moi. Non, mais je. Ah, vous décevez. Ah, je suis déçu. Question 2. Gymnase, Pierre de Coubertin. Sache que c'est une question. Non, moi non plus, je l'ai jamais entendu. Question visée pour Florent, vous le savez. S'il ne trouve pas. Vous pouvez m'insulter. On le bisute. Je sens que là tu sachez que j'ai trouvé cette question en regardant le match de Lens. Oh putain. Ah. Quel était le métier de Félix Bollaert ? J'ai envie de te dire mineur. Et ça fait 1-0. Oh là là, mais c'est normal. C'est quoi encore cette question orientée là ? Regarde-moi, tu penses bien qu'il va y répondre.
C'était Coubertin, c'était courant. Oui, non, mais d'accord, mais bon, attends, excuse-moi, mais c'était pas non plus. Il était le charbon. Directeur de la compagnie des mines de Lens. Quand j'ai trouvé ça, ça m'a fait rire. C'était l'horizon. 1-0 pour l'équipe de Florent. Question 3. Oh putain. Au football, qui appelle-t-on le porteur d'eau? Morgan? Ça tend trop. Celui qui sire le banc? Non. Florent. J'ai envie de... Ah, le réserviste? Non. Morgan. Ah, je l'ai su en plus. J'ai lu un article l'autre jour. C'est pas possible. Attends. C'est bon là. Ça passe là, Mathéo. L'adjoint? Non. Eléa. Celui qui apporte les ballons? Non. Non, c'est vraiment... Je vais vous... Il joue le gardien. Le gardien. Non, le... Non. Putain. Non, c'est un... Comment expliquer ça? C'est un rôle bien... Enfin, un titre bien particulier, on va dire. Les infirmiers? Non, vous l'avez pas? Le capitaine remplaçant? Non. Bon, bah, 1-0 toujours. Eh, franchement, vous aimez... Tu vas me le dire, je vais dire, mais oui, je suis trop con, mais oui. Un coéquipier modèle? Putain. Hein, c'est vraiment ça. C'est un coéquipier modèle, le porteur d'eau. Attends, le titre, il fallait sortir coéquipier modèle. Mais non, mais c'est qu'on l'appelait comme ça, Didier Deschamps. Didier Deschamps, quand il jouait au FC Nantes, c'était ça. On l'appelait le porteur d'eau. Alors moi, j'appelle ça. Nous, on appelle ça un sireur de banc. C'est le mec qui est sur le banc de tous. C'est un coéquipier modèle aussi. 1-0, 1-0 toujours. Ouais, vous êtes décevant. Oui, c'est vrai que. Question 4. Je m'en fous, j'ai trouvé les mineurs. Où se déroulera la prochaine Coupe du Monde de rugby, Morgan? En Afrique du Sud? Non. États-Unis? Non. Australie? Non. Ah non! En Écosse? Non. France? Évidemment. Mais oui! Mais elle oui, c'est vrai, 2023! En France en 2023. Mais c'était sûr! Mais il est là! C'est con! On se réveille, on est mort! Il est là! Ah putain! Ça fait 2-0 pour l'équipe. Calme, Mathéo, sans froid. C'est bon, on est mort! C'est épicé, j'aime bien. Question 5. Ah, c'était un portard. Merci Justine de la régie. Elle aura bien lieu en France. Le qui suis-je? Famoso. Non, si vous le trouvez pas. Non, si vous le trouvez pas, les gars, au bout d'un moment. C'est comme Pierre de Coubertin. Hein. Né le 12 février 91 à Saint-Raphaël. Je suis un joueur international de volleyball formé à Poitiers. Non. Mesurant 1m94, je joue au poste de réceptionneur, Florent. Alors attends, je vais balancer le premier nom qui me vient, Ngapet. C'est ça, allez, 3-0. Oh mais putain, Erwin Ngapet. On est bon. J'ai commencé à le dire là, dès le début. Je joue au poste de réceptionneur attaquant et totalise 249 sélections en équipe de France. Jouant actuellement au Zenit Kazan, j'ai souvent été mal vu par rapport à mes affaires extra-sportives. C'était bel et bien Erwin Ngapet, formé à Poitiers, un poids de 20. J'y connais rien en volet. 3-0. Il reste deux questions, la remontada est toujours possible. Concentre-toi. Question 6, donc là je veux une réponse. On se concentre, Mathieu. Par équipe. Attends, on va se concerter. Quel est le poids de Teddy Riner? Oh. Concertation, je vous laisse. Je crois qu'il a pas... 15 secondes. C'est bon, je te fais confiance. 15 secondes. Il a pas. Je crois, je suis pas sûr. Mais vas-y, tu le dis. Bougez si vous voulez. Attends, une dizaine près ou le plus près? Ce sera le plus près. Ok. Qui commence? Eux, ils commencent. Top. Ok, Florent. On part sur 113 kilos de poids du corps. 113. Marianne. 117. La bonne réponse, c'est pour... Mais vous êtes loin, tous les deux. Pour Morgan et... Il est à 130. Il fait 140. Ah, wouh, couillon. C'est bon pour vous? Pourtant, il a pas l'air. Il a pas l'air. Après réflexion, il est déjà, il a une grosse masse musculaire. Ouais, voilà. Il a du gras. Oui, mais c'est un nounours aussi. Il a un peu de gras. Oui, mais il est. Master. Il a pas l'air. C'est surtout sa taille. Sa taille, il fait 140 kilos pour Teddy Riner. On est d'accord qu'on peut égaliser. Tu peux égaliser. Il y a la question à deux points. Léa, c'est pour nous. C'est bon. Ma petite question originale toujours. Aujourd'hui, c'est notre jour. J'aime bien. Si Morgan t'égalise. Ça fait un mois qu'il dit ça, le mec. Il a pas tort pour le coup là. Quelle nation est la plus titrée en lutte? Alors attention, la Lituanie. Non. En lutte, attends. La Suède? Non. La Roumanie? Non plus. C'est un pays de l'Est, je suis sûr, c'est un pays de l'Est. Florent. La Bulgarie? Non. Eléa. La Slovaquie? Non, c'est bon! Mathéo. La France? Non.
Non, mais non, pas la France, c'était. C'est à moi là? Oui, il attend trop. Non, mais attends. Oui, c'est à toi. La Norvège. Non plus. Et Léa. La Russie. C'est une égalité. Oh non, c'est dégueulasse. Égalisation de Eléa. La nation la plus titrée en Russie est la Russie avec 48 titres. Il reste une question. Mais c'était sûr en fait. Oh, merci Léa. Bah non, bravo. Vous voulez pas rester sur une égalité? Ah, bah non. Moi, moi quand tu veux, je te laisse. Non, j'en ai marre. Florent et Mathéo, tous les deux, chaque fois. Non, mais j'en ai marre. Moi, j'en ai. À chaque fois, on. Non, restez pas sur une égalité. Hein, je m'en fous. Alors, par contre, la chaise qui descend seule. T'inventes une question, je m'en fous, mais on reste pas sur l'égalité. Hein. Ok, c'est une ennemie. Attention, faut que ça soit. Oui. Ça va, ok, le plus près. Oh putain. Une réponse par équipe. Une réponse par équipe. Faut que je trouve une question, vous me mettez. Vous êtes obligé de faire des trucs en plus, comme ça. En plus, c'est surtout que c'est là, ça va être du pifomètre, c'est le plus près, donc c'est honteux, genre. Hey, allez, à combien de titres de champion du monde détient le Brésil au football? Une réponse par équipe. Aussi. Ah, ça va, ça c'est pas trop dur. J'ai levé la main en premier. Ça sera à toi de la dire. Ah ouais. Oh non. Ah ouais, mais. Bah, on a le même. On a le même, je pense. Hein. Ok, Morgan. Je le dis. Bah, vas-y, Morgan. 5. Ouais, bah, on avait pareil. Le même 5. Bah, ouais, ça c'est tout le monde. Bah, oui. Alors, tout le monde le sait. Bah, ouais, ça tient. Mais oui, moi, mais je vous propose qu'on reste sur une belle égalité, la parité. Ça, s'il te plaît, gros. Moi, ça me va. Gros, non. Non, non, c'est bon. Moi, il y a potentiel victoire de notre part, nous gâchez pas ça. Par contre, ma chaise descend vraiment toute seule. Je pense. Je pense qu'on va détecter Tyriner sur son poids. Parce que. Sachez que je vais aller dans les anciens quiz pour piocher une question au hasard. Il faut que j'arrête de manger à la cantine. On improvise pour nos auditeurs. Ouais, nos chers auditeurs, sachez qu'il n'y a jamais eu de match nul. Il fallait qu'aujourd'hui, ils décident de. Oh, c'est faux. Il y a toujours des litiges au niveau des quiz. On peut gagner. On peut gagner. Ok, alors. Allez, on se concentre, Mathéo, s'il te plaît. Ah, je sais, j'en ai une. Ouais, mais, c'est pas non, à toi de déposer les questions. Mais non, mais j'ai pas la réponse. Mais moi, je veux que tu aies la réponse. Moi. Mais j'en ai une, mais elle est drôle. Oui, mais si t'en as une et que t'as pas la réponse, c'est pas intéressant. L'a dit à Nico. Non, mais tu vas pas me dire la question si t'as la réponse. T'as pas le droit, même pas t'as le droit. Ça sert à rien alors. Ah, écoutez pas! Mais on entend tout! L'autre, elle se colle près du micro! Elle est c'est insolite ce qui se passe sur ce plateau là quand même. Ah, j'avoue, elle est bien! Mais non, mais ça serait. Elle a raison! Non, elle est... non, mais non, mais ça sera pas celle-ci! Ça sera pas voilà, celle-ci. Voilà, je préfère. De toute façon, au pire, elle aurait pas eu le droit de répondre. Là, ok, donc j'ai ma question. On remonte au quiz du 14 janvier pour nos auditeurs. Ah, mais c'est déjà fait! C'est une question déjà faite? Oui, c'est bien, t'as qu'à avoir de la mémoire. Ok. Mais elle a encore descendu! Quel joueur est le meilleur marqueur d'essai au championnat du monde de rugby? J'y connais rien. Morgan. John Alomou. C'est une bonne réponse. Oh, oh mais c'est incroyable. C'est honteux. Oh là 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 là. C'est honteux. Eh ben ça, digne d'un Écosse-Italie. Tu te rends compte que je vous ai dit, je vous ai laissé la possibilité de finir sur un match nul. Vous lui avez donné le bâton pour la défaite. Oui. Ensuite, tu prends une question rugby. Bah ouais. J'ai pris la première question que c'est je suis ouvert. J'ai ouvert, j'ai pris la première. Mais pourquoi t'as pris une question? Je pense que je vais arrêter de participer à cette émission. Mais parce que j'ai pas de question sur moi. T'en trouves une. Mais t'en trouves une, j'aimerais bien vous y voir. Je pense qu'il va falloir investir dans une coupe pour Morgan. C'est encore une victoire, je m'en fous. C'est encore une. Dans le livre des Guinness Records, tu trouves des trucs là. Sur le maximum de fléchettes. Avaler, je sais pas, mais un truc comme ça. Bah oui, mais maintenant tu me le dis, maintenant j'ai des questions, on va pas la refaire, c'est injuste. Ah, oh, on non, la refait non, 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 moi je suis pas d'accord là. Non, non, c'est là, une victoire. Je... Il reste 5 minutes de débat là, c'est quoi ça? C'est une victoire pour Morgan et Léa, vous aviez qu'à plier le match avant. Florence, c'est une on passe tout de suite au débat du jour. C'est l'heure de l'apéro. Vous me fatiguez. Delta Sport, le débat. Calmez-vous. D'accord, non, écoutez, calmez-vous. Oh, c'est l'heure de l'apéro, la victoire, les cacahuètes. Le débat. Les cacahuètes. Toujours, mais vous êtes fatiguant, épuisant. Doit-on, enfin, autoriser les spectateurs à rejoindre les événements sportifs en France? Qui dit oui? Ça dépend le sport. Tu peux répéter le débat? Doit-on enfin autoriser les spectateurs à rejoindre les événements sportifs en France? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il y a oui, quelqu'un qui dit non? Moi, ça dépend le sport. Non, mais tu vas faire le duel. Non, je vais pas faire le duel. Si, tu vas faire le duel. Non, j'aime pas le contre duel. Contre Mathéo même. Non, non. Bah si. Bon, allez. Oh, putain. Allez, allez, bon. Allez, 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 allez. Un peu d'entrain. Est-ce que tu veux commencer, Mathéo? Non, on est refis quand même.
Non, c'est quoi ce truc sexiste là? Eh, hey, fais attention, on est en 2021, mon gars. Il y a des éditeurs là qui sont là. Carton jaune. C'est une vague féministe en c'est même temps. Attention. C'est une blague. Moi, je suis gender fluide. Je me mouve. Allez, restons dans le sport. Oh, et Léa, tu commences? Allez, si ça vous fait plaisir. Pour, du coup, non. On ne doit pas autoriser les spectateurs. En gros, tu as 30 secondes. C'est parti. Ok, alors pour moi, on ne doit pas autoriser forcément les spectateurs si, à côté de ça, on ne réautorise pas tout ce qui est cinéma ou lieu culturel, etc. Parce que pour moi, c'est la même chose et qu'on ne doit pas faire de préférence. Après, les sports d'extérieur, sachant qu'ils peuvent être pratiqués déjà, je pense qu'il peut quand même y avoir des spectateurs. Mais pour ce qui est des sports intérieurs, tant qu'on ne réouvre pas les autres choses, il n'y a pas à réouvrir pour ça. Attends, j'attends les 30 secondes pour avoir le plaisir d'appuyer sur le sifflet. C'est bon. Merci beaucoup. Mathéo, une réponse à apporter? Tu as 30 secondes. C'est parti. Bah, déjà, je dirais que les spectateurs, je pense pour moi qu'ils ont le droit de revenir sur les terrains parce que je prends un exemple du football. Du football, par exemple, une équipe de football a besoin de ses supporters pour pouvoir se mettre beaucoup plus dans le match et faire vivre les spectateurs, en gros. Et aussi. Oui, mais il y a des abrutis dans le public. Tais-toi. Oui, on s'en fout des abrutis. Tout sportif a besoin de supporters. Mais c'est ça, voilà, tout est, voilà, exactement. Et je pense au niveau mental, ne pas avoir de spectateurs, ça met vraiment un coup énorme. Ouais, mais après, les artistes, ils ont besoin de spectateurs. Là, ouais, recycle un coup. C'est bon. À savoir, notamment pour en Israël, les supporters ont été réautorisés. Bah, tu m'étonnes. Et pour l'Euro. Avec 50% de la population vaccinée, tu peux. Hein. Il est vrai. Et pour l'Euro... ils sont déjà à 50. La fédération aimerait bien des supporters. Morgane, oui. Ton petit avis là-dessus. Moi, je milite depuis le début pour le maintien des supporters dans les stades. Oui. En fait, je trouve que tout a été très, très, très mal géré à l'avance. On a fait des pertes énormissimes à cause de ça. Alors... Déjà, bon, il y a eu l'histoire de couvre-feu. C'est difficile de faire déplacer du monde dans les stades à partir de 18h. C'est pour moi déjà une... Enfin bref, on ne va pas rentrer dans la politique, mais c'est pour moi une belle connerie. Ensuite, il y a l'histoire surtout de l'emplacement de chaque supporter dans un stade. Je suis désolé, mais tu ne vas pas me dire qu'un mec qui est d'une tribune, qui reste... En plus, parce qu'il y a de la place dans un stade, ce n'est pas non plus un endroit fermé comme dans une salle de ping-pong. Là, tu mets un mec à 2 mètres, 3 mètres... En plus, dans un stade ouvert, je ne vois pas ce que ça change. On laisse des gens se blinder dans des transports publics en commun. On laisse des gens mais s'entasser au boulot, s'entasser dans des bureaux. Je veux dire, et là, on interdit les stades. Pourquoi? Parce que l'État veut de la thune. Il n'y a pas de thune, du coup. Ça n'a rien à voir, là. Mais non, c'est même pas une question de thune, c'est une question de logique. Mais après, oui, mais ça oblige... Mais après, est-ce qu'il n'y aurait pas une différence de sport, par exemple? Comme tu dis, pour le foot, les stades sont ouverts. Regarde ce qu'ils font au Japon. De basket, regarde ce qu'ils font au Japon. Au Japon, moi j'ai regardé le jour de la D1 japonaise, oui ça m'arrive. Eh bien, j'ai regardé le jour. T'avais un pari dessus. Oui. Eh bien, figure-toi. Je regardais, les mecs sont placés à 4-5 mètres de distance, mais t'as au moins un tiers du stade qui est présente. Mais et au moins, il y a des supporters présents. Et tu fais comment pour les gymnases? Pareil? Mais alors, je pense que c'est faisable. En soi, quand on porte le masque, regarde en salle de cours, on se sépare tous. C'est une hypocrisie sans nom, ce truc-là. Non, mais oui. Mais c'est et pas, après, oui, mais comme j'ai dit, c'est pareil pour les cinémas et pour. Oui, les voilà, les exactement. Non, mais c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, c'est qu'on peut pas dire, on peut pas non plus interdire les spectateurs en permanence, parce que comme j'ai dit. Les sportifs, ils ont besoin quand même de spectateurs. Au niveau mental, c'est compliqué. Après, je pense que c'est juste à la régularité du nombre de spectateurs. Oui, après, malheureusement, il y a... Ils peuvent faire des coefficients. Tu sais, des coefficients de remplissage par rapport à tel endroit. Dans un stade de 60 000 spectateurs, tu peux pas me dire que tu peux pas mettre au moins 5 000 mecs quand même. Enfin, je sais pas, il y a quand même la place pour les mettre, tu vois. C'est pas comme si t'étais dans un stade de 5 000 où tu devais en mettre 2 000. Non, là... Enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est complètement aberrant. Et qu'on a largement le temps maintenant, c'est largement le temps maintenant de remettre des supporters dans les stades. Bon, moi ça me perturbe plus trop. Enfin, je pense que ça va me faire bizarre quand ils vont revenir.
Parce que maintenant qu'il y a les petits champs et tout. C'est exactement ça qu'on veut éviter. Ils ont bien fait. Cette mentalité de la normalité, tu vois, de quelque chose qui devient normal. Mais non, c'est pas normal. Mais ça va pas être normal parce que quand tu as l'habitude d'y aller, c'est bien sûr que c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que moi, ça va me perturber. Hein. Quand ça va revenir, je vais être là en mode bonjour d'abord. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de gens, oui, enfin, on est habitué à plus voir personne et que d'un coup, il y ait de. Mais de même, je pense pour les même, je pense pour les joueurs, hein, ça va être. Nico, sache que même ton père se fout de nous. Vraiment, il a écrit, je cite, honteux. Attends, t'as pas assuré, fallait jouer le match nul. Eh oui. Merci enfin, Raphaël pour ce petit conseil. Stratégique. On finit là-dessus ? Allez, on finit là-dessus et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Merci. 90.2 toujours, Delta FM. C'était Delta Sport, l'actu sport vraiment que je t'achète à Delta FM. Tu dois... Des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des gnomes pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.